Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les quatre types de phrases, page 90. Selon ce que nous voulons exprimer, on peut utiliser quatre types de phrases. يعني إذا أردنا التعبير فإننا سنستعمل أربعة أنواع من الجمل. Premièrement, la phrase de type déclaratif. الجملة الخبرية أو النوع جملة من النوع الخبري. Alors, dans une phrase déclarative, on déclare une opinion, une information, une pensée, etc. Elle se termine toujours par un point. يعني الجملة الخبرية تعبر أو تصرح عن معلومة أو فكر أو فكرة أو رأي. وتنتهي دائما بنقطة. Exemple, les enfants se bousculent devant le magasin de vidéo. يعني الأطفال يتزاحمون أمام بائع الفيديو. Exemple, un autre exemple, ma fille n'aime pas faire le ménage. ابنتي لا تحب الأشغال المنزلية. Phrase de type interrogatif. هذا النوع الثاني. الجملة الاستفهامية يعني عبارة عن سؤال. Sert à poser des questions. هي لطرح السؤال. Elle se termine par un point d'interrogation. تنتهي دائما بعلامة استفهام. Je donne des exemples. As-tu vu ce film? هل رأيت هذا الفيلم؟ مثال آخر, est-ce que tu as bien travaillé en devoir? هل عملت جيدا في الفرض؟ Troisième type, la phrase exclamative. الجملة التعجبية exprime un sentiment ou une émotion, la colère, l'étonnement, la frustration, l'admiration, la crainte, la joie, etc. Elle se termine par un point d'exclamation. Elle commence souvent par les mots que, quel, comme. Je donne des exemples. Comme tu es bête, comme anta abla, que ce dauphin est sublime. كم هو رفيع هذا الدلفين. كيل جنتي في. يا لها من فتاة طيبة. قلنا le dernier type. La phrase impérative ou la phrase de type impératif. L'impératif donne un ordre, un conseil. هذه الجملة الأمرية تعطينا أمر أو تعطينا نصيحة. Elle est conjuguée à l'impératif. تبدأ à l'impératif présent. يعني تبدأ بالفعل أمري. بفعل أمري. Elle peut se terminer soit par un point, soit par un point d'exclamation. Exemple. Dépêchons-nous. Nous allons être en retard. Lève-toi. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.